13. 13ème autant. Oh bah laisse tomber, je vais me faire mettre la pile. Mais après tout peut arriver. Fais du bruit plus fort, j'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. J'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. Fais du bruit. Les nouveautés, les premières nouveautés sont juste derrière moi. How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we're vibing. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. On arrive sur la piste pour demain. Pop, 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 le truc de dingue. Sans déconner. Eh bah franchement, j'ai hâte de poser mes roues dessus. Le circuit, il est méconnaissable par rapport à l'entraînement. Vous avez pas les bières par ici? Si, elles sont là. Là, on a le team Propat, athlète de haut niveau. Et là, on a le team apéro. Du coup c'est ça aussi la magie sur la veille d'une course, pendant le soir en fait, c'est de passer des bons moments aussi avec les autres qui sont là, et ça c'est exceptionnel. C'est pas la classe, hein? Et j'en ai vu quelques-uns que t'as fait dans tes vidéos, ils sont jolis. Hein. Ah, on est d'accord? Oui. Non, non, c'est pas la classe. Regarde, regarde. Il regarde si en passant sous la moto on peut la piloter. Non, j'avais oublié de faire de la mécanique. Il y a vraiment plus à vous. Tu vois, tout le monde est autour de ma moto, tout le monde critique ma mob. Hein? N'empêche que. Ah, merci. On dit juste que c'est merci. Une mob en carton. Voilà. Il y a marqué interdit de s'asseoir, interdit de lire en roulant. Pas de bichette. Pas de bichette. Putain, sans déconner, vous allez mettre ma mob verte à côté des KTM. Ah, c'est bizarre comme truc. Ouais, on aura tout vu quand même. Ah, ah là, il est beau. Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Ah bah tiens. Il est tout neuf. Ah bah il est tout feneux. J'espère qu'il ira. Ah, je m'en vais. Bonne nuit. Il me manque juste Bichette. Bah ouais. Hein? Là, je vais dormir la tête au niveau du chiotte. Hop là, bon, c'est bon, on est parti pour les essais. Et c'est libre, étant chrono. Et bah, pour une fois, j'ai de l'avance. Et je n'ai pas une once de stress. Et ça, ça fait plaisir. Je sais pas ce qui s'est passé la dernière fois. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel. For me is real and kind of suicide. She's not the same. She's such a rare type. She's far from plain. At least in my eyes. She said if I cross her I'll be in the grave. Or under her tongue. But yeah, that's still my babe. I love the fact I didn't let her go. Ah, ça s'est passé nickel. La terre c'était c'était de la vraie crème là. Donc franchement c'était bien bien lourd. Bah tu vois, il y en a, il m'a envoyé une giclette. Bon, enfin c'était cool. On va voir ce que ça donne, je sais pas quel temps j'ai fait. Au moins juste. Dernière annonce, t'étais 13. 13ème autant. Oh bah laisse tomber, je vais me faire mettre la pile. Mais après tout peut arriver. Hein. Elle est belle cette mob.
J'ai, au moins elle est belle, ça fait pas le premier temps, mais au moins elle est belle. Les petits médocs qui font faire des bons départs. Ah. Les petits médocs qui font faire des bons départs. C'est les médicaments qui font faire les bons départs. Putain, j'ai oublié là, je suis pas bon là, j'ai du retard. Regarde ma bichette, elle m'a mis des petits mots dans mes poches de médicaments. Oh, c'est mignon. Et c'est mignon comme tout, hein. Ah, rien que pour ça, ça vaut le coup d'être là. L'ambiance de la course et tout, c'est bon, ça. C'est bon. Alors, mes petits bichets, on se retrouve du coup dans la catégorie Open Hors Ligue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur au niveau de notre département. Et ça roule fort. J'ai fait le 18e temps aux essais libres. Donc, autant vous dire que je suis un petit peu loin. On est là pour se faire plaisir, la piste est d'une qualité exceptionnelle. Là, c'est les MX1 et MX2 qui sont partis. Donc là, c'est la catégorie où ça roule fort, fort. Mais la piste est incroyable. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'être là. On va s'amuser, on va kiffer. Et ça, c'est l'essentiel. Et puis, avec un peu de chance, on va peut-être faire des bons départs. On va trouver des traces. Et puis, on verra bien comment ça se passe. On est parti dans quelques minutes. On est parti pour la première manche de la journée. Je suis chaud. On va voir ce que ça donne. Hein. Bah, je pense que ça devrait bien se passer. Ça va se passer tranquillou. On va mettre le titre. Attention, malheureusement, Carré. 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 J'ai fini 9e, c'est ça? Regarde donc. Eh, hey, c'est pas si mal. Hein. Moi qui voulais être dans les 20 premiers, bah tu vois, au moins j'ai de la marge. Comme ça. Non, c'est bien, mais c'est dur. Hein. Il fait chaud. Tu vois, la fourche est toujours dure de la moto. Donc j'avais un peu le fourmillement dans les mains et tout. Mais ça va, je suis content. Puis la piste est incroyable. Faut dire ce qui est. Là, c'est du régal à rouler. Hein. Donc au pire des cas, ce sera une bonne journée dans tous les cas de figure. Faut juste pas se faire mal. C'est tout. Voilà. Voilà les jeunes, les moins jeunes. Alors, une technique pour éviter de se brûler les petits tétons, on a un petit bout de scotch, ça se passe bien. Ben voilà, c'est tout. Hein. On va partir pour notre deuxième manche. Moi, je suis chaud. La température, il fait chaud. C'est hot. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. La piste a l'air encore bien, ils l'ont fait entre midi et deux, donc c'est cool. John, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Au départ, pour déstabiliser les autres, Tony nous a donné la technique là.
Il nous a dit, comme ça, allez, pour empêcher de partir tes voisins, tu cries. Tu fais... Oh du guerrier. Bon, les jeunes. Je suis quené, mon pauvre ami. J'ai chaud, c'était dur là, avec la chaleur là. Arrivé, je dirais, j'avais le panneau. Sur le panneau, on m'a marqué 3 tours et je sais plus, ou 3 minutes et 2 tours, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à être chaud. Là, ça tape. On fait des manches en fait, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais on fait des manches de 15 minutes et 2 tours. Et là, avec la chaleur cet après-midi, eh ben, ça tape sur la couenne. Je suis sec là. On va prendre une petite douche. Oui, on va prendre une petite douche. Attends, on bouge pas. Oh putain! Elle était belle celle-là. Elle l'a tâchée. On le savait pas, mais il faut être une équipe pour faire ça. Bon, combien vous avez fini les jeunes? 5. 5. Et toi? 12. Et je vais vous montrer ça quand même, regardez, comme c'est mignon. Tu vois, hashtag 90, Johnny, la position. C'est Charlène qui s'occupe de ça, comment c'est mignon. Vous voyez, j'étais en train de réfléchir à un truc. En fait, je pense que si par exemple, vous n'êtes pas suffisamment motivé ou qu'on n'est pas suffisamment motivé pour faire quelque chose, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est qu'on est pas en train de faire la bonne chose. Je vous dis ça tout simplement parce que, vous voyez, être performant pendant les courses de moto, eh ben, je ne sens pas de motivation par rapport à ça. En revanche, passer une bonne journée à faire de la moto, là, je suis ultra motivé. On n'a pas besoin d'aller chercher de la motivation, si vous voulez voir ce que... Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit, je pense, dans un loisir, dans un job, etc., ça doit fonctionner comme ça. Et ben, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, du coup, quand on n'a pas besoin de se forcer à trouver de la motivation, on développe une énergie de dingue pour faire le truc qu'on est en train de faire. Et ben là, c'est aujourd'hui, c'est ce dont je me rends compte. Plus je m'éloigne du fait de vouloir faire des bons résultats, bon, de toute façon, le plaisir avant tout évidemment, mais plus j'ai dû, plus je suis au taquet. Donc je pense que ça, c'est une règle
qu'on doit appliquer dans tout ce qu'on fait. Les épreuves pour les premiers sont finies déjà. Certaines catégories, c'est fini. Nous, on est les avant-derniers. Et puis ensuite, il y a les 125. Donc là, voilà, on va commencer dans une vingtaine de minutes. J'ai hâte d'y aller, là. J'ai hâte d'y aller. Allez, on est chaud. Je te dis que ça rigole plus. Et ça boit que toute 4,5 là. Ça va être génial. Là, c'est la dernière manche. Donc, le but, c'est que j'arrive sur la table qu'il y a au fond du terrain, tout au fond de la route. Il faut que j'arrive, je me suis mis un défi, à enlever mon tire-off en l'air. Oui, c'est vrai. Essayer de faire un truc de gueudin comme ça de travers là. Essayez, hein, si j'y pense, c'est que je suis pas trop fatigué. On va graisser la chaîne. Là, comme ça, on évite les bouffées de chaleur. Hop là. Bon, encore comme tout à l'heure. Ça chauffe de partout là-dessous. Bon, bah, c'était cool, on a passé un bon moment. Le terrain était exceptionnel. C'était énorme. Et arracher mon tire-off en l'air, chose que je n'ai pas réussi à faire aujourd'hui. J'étais trop fatigué. J'ai pas réussi le tire-off, j'ai échoué. J'y arriverai bientôt, j'y arriverai. Je vais m'entraîner à faire le geste comme ça. On va boire un coup. Ah, l'enfoiré. Ah, bien, Rodrigue. Aurel à la prod aujourd'hui. Aurel à la prod, donc merci Aurel quand même. Bon, 11e. Là, je t'ai capturé. Hop là. 11e, les neugeux. 11e. Niveau plaisir, je pense que je suis celui qui a gagné la journée. Pensez à ça, pensez à votre plaisir avant tout. C'est l'essentiel. Ça, personne ne fera à votre place de kiffer. On va aller retrouver Bichette, qui était à un concours de poney encore ce week-end. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Que veux-tu ? Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures. Abonnez-vous, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Allez manger une pizza, boire une bière. Nous, c'est déjà fait. À tout bien. We're getting crazy in a different world. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. La vie est belle. Allons rouler. Oh, on va finir là-dessus. La vie est belle. Allons rouler. Allez, ciao les jeunes.